Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous montrer un truc et astuce pour l'outil, donc calque, transformation, l'outil spirale. Alors pour cela, moi j'ai créé un petit document, donc en taille 400 par 400. Je vais vous enlever cette phrase. J'ai pris un outil texte, donc j'ai choisi une police d'écriture, une taille, les effets. Et le motif de remplissage, c'est une texture or que vous allez chercher dans vos textures qui se trouvent ici, que vous aurez mis auparavant dans vos patterns. Donc je fais OK. Donc voilà, j'ai marqué belle journée à tous. Pour utiliser l'outil donc transformation, il faut que vous convertissiez votre texte en calque image. Donc là, maintenant, je fais calque, transformation. Vous voyez que ça s'est enlevé du grisé et que vous avez possibilité de bouger dedans. Donc là, je prends l'outil spirale. Vous avez une petite fenêtre qui apparaît et vous voyez déjà la forme que ça donne avec une quantité de 3 spirales. Alors, ça c'est dans un sens horaire. Après, vous avez anti-horaire. Vous voyez que ça donne une autre forme. À vous de choisir la forme que vous voulez donner. Les quantités de spirales que vous voulez faire sur votre texte, plus vous en mettez, ben, plus le texte il va être illisible. Alors là, moi je vais mettre, j'aime bien quand c'est fin, je vais en mettre moi 4. Donc je fais OK. Vous voyez, mon texte a bougé. Il me reste plus qu'à donc visible. Si je veux l'utiliser pour une création, il ne me reste plus qu'à mettre ce texte en PNG. Donc pour ça, je fais calque, fusionner tous les calques. Ça reste en transparent. Vous faites un fichier enregistré sous en PNG et vous pouvez après l'utiliser là où vous voulez dans vos créations. Bon, j'espère que ce petit tuto pour l'outil transformation spirale vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.